Donc je suis François, chef du département mesures physiques, enseignant en physique ici, et puis je suis aussi chercheur en astrophysique dans un laboratoire de l'université. On accueille des étudiants sortis du bac, on les accueille pour 2 ans. C'est des étudiants qui ont une formation scientifique ou une formation technologique avec des bacs STI, 2D ou STL. Et ce sont des étudiants qui ont un goût prononcé pour faire de la physique, de la chimie et puis accessoirement des maths, même si ça fait pas plaisir à tout le monde. Un tiers de nos étudiants vont suivre leurs études un an de plus pour devenir technicien, technicien d'essai ou technicien métrologue. Et le reste de la promo, 70%, vont intégrer des écoles d'ingénieurs sur la région ou des écoles d'ingénieurs nationales dans des disciplines scientifiques ou des disciplines commerciales, des écoles de commerce tout simplement. Les étudiants qui vont faire de la science ensuite vont pouvoir intégrer des secteurs d'activité tels que l'automobile, l'aéronautique, le spatial et l'environnement.